On évolue avec des outils que l'on crée, que l'on invente à partir de rien, à partir d'expériences scientifiques extérieures, à partir de données qu'on a récupérées auprès de partenaires et de autres pays, par exemple. Et on travaille avec des agents qui sont en capacité de nous apporter des données intéressantes sur le degré d'islamisation des personnes, le degré de radicalisation des personnes, travailler sur l'idéologie en elle-même, comment elle se construit, comment elle peut se déconstruire. Donc on ne travaille pas à partir de rien, mais on invente nos propres outils, puisque en France, pour l'instant, nous n'avions pas ce genre d'outils. Donc on est en train de les créer, en collaboration bien sûr, avec la direction de la mission pénitentiaire à Paris.